La créatine est-elle dangereuse pour notre corps? La créatine est largement utilisée par les culturistes en particulier et d'autres disciplines en général en raison de ses nombreux effets, notamment l'augmentation de l'énergie cellulaire, de l'endurance et de la récupération. Consommer de la créatine sur une longue durée n'est pas dangereux en soi, de plus c'est l'un des compléments alimentaires qui a bénéficié de nombreuses études en laboratoire au fil des années. Ce complément n'est pas compromettant si le sportif veille à le consommer correctement. Le respect du dosage est essentiel pour prévenir les dangers ou plutôt les effets secondaires de la créatine tant que vous êtes en bonne santé et que vous faites régulièrement de l'exercice physique. Contrairement aux idées reçues, la créatine n'est pas un danger direct pour les reins, sauf si la personne souffre d'un trouble rénal caractérisé par un gonflement des tissus. En effet, consommer de la créatine à forte dose peut entraîner la formation de produits toxiques dans le sang et au niveau des urines, pouvant entraîner de graves complications pour la santé.